Bonsoir. Je sais pas vous, mais moi, une Les Paul en Sunburst, ça a toujours le chic pour me faire aller le cœur un tout petit peu plus vite que la normale. Voici donc une R8, la légendaire réédition de la Sunburst 1958 par le Custom Shop Gibson, qui décidément fait bien les choses. En l'occurrence, Gibson, quand on leur demande gentiment, ils savent quand même faire des guitares assez exceptionnelles. Donc c'est une réédition 58, légèrement modifiée par rapport à l'original, en ça que les frettes sont un peu plus grosses. Sur une 58, c'est des toutes petites frettes qui sont pas évidentes à jouer. Là, ça se joue comme dans du beurre, comme une 59, mais avec le bon gros manche de 58. Et puis celle-ci, donc, c'est une Tobacco Burst. Donc le Sunburst le plus sombre possible, celui où il y a quasiment du noir sur les côtés. Comme la plupart des rééditions 58, c'est ce qu'on appelle une plain top, c'est-à-dire avec une table en érable qui n'a pas de motif flammé de dingue. Tant mieux, ça permet d'avoir des jolis motifs genre goutte d'eau plus discrets et qui permettent de ne pas la confondre avec une PRS. Et puis donc pour le reste, c'est une excellente Gibson Burst, une excellente réédition de Les Paul, telle qu'on la connaît et telle qu'on l'a toujours connue et telle qu'on la connaîtra toujours.